Bah là, on va à Nîmes, Zup Nord, Zup Sud. On va aller voir des amis à moi. T'as vu, il y a un événement qui s'est passé il n'y a pas très très longtemps. Donc, il y a un de nos potes qui s'est fait tuer, Alaa Wahmo, qui est décédé. Il a été abattu par 2 balles dans le corps. Donc, c'est quelque chose de tragique qui arrive souvent dans les quartiers, dans nos cités de France, tu vois. On va aller là-bas voir l'équipe et essayer de lui rendre hommage, quoi, tu vois. À savoir qu'il venait juste de terminer son album qu'on allait sortir dans les bacs. Son groupe c'est Ballistique, son équipe c'est Légendes Urbaines. Je pense qu'ils pourront mieux s'exprimer là-dessus que moi, tu vois. Nous on est là, on va essayer d'amener son album là où il le mérite. On va essayer de faire sortir ça au niveau international. Mais qu'il était tout jeune et toute la vie devant lui, quoi, tu vois ce que je veux dire. Lui c'était quelqu'un de bien, un homme de principe, tu vois ce que je veux dire. Ce qui est rare aujourd'hui. Donc on va dire l'homme du moment c'est Radouane, il ne faut pas l'oublier. Maintenant ce qu'il faut comprendre à travers tout ça aussi, c'est expliquer que la rue c'est pas forcément un jeu, vu qu'on nous accepte quasiment nulle part. Donc on est obligé de se ghettoiser sans le vouloir. Voilà, en fait Légendes Urbaines c'est un collectif. 4 groupes, 30 900 guerriers, donc j'en fais partie. Ensuite, t'as TPA, Instinct Textuel, Ballistique, Corbeau, puis Pico, qui nous a quittés. Et ensuite, t'as H. Voilà, parce que c'est Légendes Urbaines. On est là à Nîmes, hein. Mon pote Corbeau, Ballistique. Là, on présentait les chiens de la casse sociale. Nîmes, Nîmes, ville touristique. Quand ça me bat la race, fais ton équipe, fais ton estique. Oh, on est au snack, devant la Tino, on est chez Tino là, mon pote. Tino, on est où, là? Tino, oh. On est au snack, on le saveur. C'est le snack de, du sens. Mais quand tu es Légendes Urbaines, tu le sais, on représente le snack, tout. Les saveurs. Les saveurs, ouais, les saveurs. Alors maintenant, si vous venez de Paris, venez manger ici. Ah. C'est OP, hein, franchement, bien. Rien à dire, on mange bien. Moi, je fais pas partie de Légendes Urbaines, moi. Non, ne me filmez pas. Je suis de Nîmes, 30 900. Là, ici, on est dans le 30 000. Là-haut, c'est 30 900. Te montrer un peu le quartier. Ça. Street live, la rue en live. Là, ici, t'es dans la rue, c'est pareil, tu vois. Incognito, RIP, tu vois, qui est décédé il y a pas longtemps. C'est son disque. Là, on est en train de le faire avec LDM. Tout le mérite revient à lui. L'incognito. Redouane, c'était un vrai de vrai, moi je te le dis. C'était un bon type, tu vois. Un bon homme, un vaillant. Un homme comme rare, on en trouve aujourd'hui dans la rue, tu vois. Il est mort avec un degré de martyr. J'ai perdu quelqu'un de cher. C'est un drame qui fait ouvrir un peu les yeux. On n'est rien dans ce monde, le monde il est petit. On peut pas s'enfuir, tu fais une connerie, tu crois que t'es un bonhomme, tu crois que t'es un nerveux, tu crois que t'as fait un truc de fou. Tu as fait un truc de fou, va braquer la brise, là, tout le monde va t'applaudir. Maintenant tu tues un frère, non, on va pas t'applaudir, on nous tue assez comme ça. En vrai, les gendarmes, c'est nous. C'est nous qui avons les armes. Gendarmes du terre-ferme. C'est vrai, non? Gendarmes. C'est un hobby. Ah, avec peu de moyens, ça nique tout. Ah là, il est là le home studio. Ah, résolution. Ça va être Tino ou pas? Faut leur dire Tino, mon pote. Dépenser ma cape, font croire que c'est par le meurtre, j'obtiens Dragon Cause. Pleine cause sont les causes de ta perte. Trop de pointures, on dévie la droiture, donne l'alerte. Je crois que mes frères roulent un pèdre, regarde, ils suivent leur secte. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Rahmo, l'incognito, dans Ballistique, Redouane la Rahmo, lui, c'était ma détermination, ma motivation, mon ambition. Sans lui, je serais pas là où j'en suis. Et c'est pour ça que tout le mérite lui doit à lui. Ballistique, c'est là par rapport à lui. Ah, on va aller voir la population, on va voir les mecs du quartier. Le petit frère de la rue. On a un petit frère de la rue. La vraie puissance, c'est la diversité culturelle. Alors on a tous quelque chose à s'apporter. Tu vois, en réalité, on est un putain de milkshake. Voilà, on est un putain de cocktail. Et quand on explose... Ça va? C'est un mec du terre-terre comme nous, tu as vu? On se gratte les couilles. Tout le monde se reconnaît. Bah, mon pote. Incognito, on pense à toi. LU, c'est l'école de ma rue. C'est ce qu'il disait mon frère Pico. LU, Légendes Urbaines, Street Live. Légendes Urbaines. En direct de la rue. 3-0, 900, Street Life, 9-2. Pra, pra. La caisse claire, c'est un gars de bouquin, ça va être tout.
peux la récupérer, ça. Tu peux la laisser, tu vois. Après. Un par un, on leur donnait un peu de dynamique et tout ça, quoi, tu vois, non, pour que le produit soit vraiment une bombe atomique. On fait plus couler de larmes, tu vois, on s'achète des armes, tu vois. Maintenant, on aimerait bien que les jeunes ne s'en servent pas, quoi. Il faut essayer de comprendre les causes, pourquoi est-ce que s'est passé ça, pourquoi il y a eu tel règlement de compte, pourquoi est-ce qu'il y a eu, tu vois, tu comprends. Donc, la vie aujourd'hui nous pousse à faire des choses hallucinantes. Parce qu'on vit des choses hallucinantes. Jeter les armes, c'est de la merde. On est là pour le bitume, on vient militer. Africaine identité, vaillant pour le futur. À l'aube dans les caves, pour les gosses, l'orgie. Chaque soir, ça pétarde sur un son de Mob Deep. Rap, chaîne, guerre, comme à l'origine. Fait tourner la machine, c'est la zup qui arrive. On restera pas tranquille, tant qu'il y aura des lois, il y aura des crimes. Balistique ma dream team, sur le beat, chasseur de primes. Bro, c'est L.I.M, c'est pour les roues qui traînent les graines mauvaises qui gagnent, se tiennent de vie, man. C'est pour ceux qui s'aiment la zizane, hey. Comme mon frère Ali, ouais. Mais Ali, je suis chaque soir avec les keufs, je tape des rallies, hey. Dans mon ghetto couteau, comme ce couteau tu te plantes. Et dans le corps tu portes honteux, comme une peine de mort, hey, yeah. Mais à mort, je suis dans de sale sac. Car la vie c'est gore comme une pucelle avant de passer à l'acte. En tout cas, c'est pour Street Life Magazine, wow. PW Prod. C'est malheur. Il est 6h, mon frère. Et ils sont là, les frères. Ils sont là. Peace. Peace ou fuck? Moi, je préfère fuck. Je te fuck. Bah, ici, tu vois, nous, comme la communauté, la commune, entre parenthèses, elle nous aide pas. Nous, on s'est retrouvés à répéter dans. Regarde ce que c'est, film, ce que c'est, tu as vu? C'est comment c'est? C'est des caves, c'est. Ça pue la pisse, il y en a qui font des vidanges de voiture ici. Ah, avant chaque concert, on vient répéter ici, tu vois. On m'a dit, mes petits, réveille-toi donc, j'fous le dawa. La France veut pas de moi, l'intégration, non, issue de l'immigration. J'compte sur mes positions. C'est de l'impro et on est toujours présent. L.I.M arrive en force, gros, j'suis pas séduisant. Juste un peu mécontent parce que l'état me nique. Et quand j'prends le microphone, gros, c'est trop dramatique parce que nos vies. Dans nos quartiers, ça chlingue. T'as beau avoir le flingue et faire genre que t'es un dingue. L.I.M. Refait les gens urbaines. Et L.I.M. Écoute, frère. Refait les gens urbaines. Street Life. La rue en direct. En direct, les gens urbaines. ايام عندي ما تتنساش واليوم صبحتك الغبينة ليل ونهار واحتفل بنام قولي لي وليش.